Les scientifiques enregistrent le chant de ces baleines. Il est unique. Peut-être viennent-ils de découvrir une nouvelle espèce. Quand les manchots à Delhi se font attaquer par des léopards de mer, ils bondissent sur la glace. Tous sont rentrés dans leur tanière, sauf un. Et après 2 heures d'effort, la fatigue se fait sentir. Ils sont maintenant chez eux et s'en donnent à cœur joie. Quand Namal sort de l'eau, on comprend pourquoi elle ne peut pas jouer avec les autres. L'équipe l'a trouvée dans un piège et n'a pas pu sauver sa patte arrière. Parfois, la glissade est plus rapide que la marche. Oh, Namal! L'éléphanteau est trop fragile pour se mêler aux autres. Les troncs d'arbres se transforment en club de rencontre. Namal est en bonne santé et doté d'une grande intelligence. Il sait même se sécher tout seul. Comme ses congénères, il est d'une nature sociable. Leandro et Anna vont se substituer à la mère qui, dans la nature, leur montre comment chasser et éviter les dangers. La tarentule ou araignée-loup est encore une exception. Cette araignée ne se contente pas d'attendre la naissance de ses 500 petits. Elle les porte pendant des jours, des semaines, pour leur offrir de meilleures chances de survie. C'est dans cet habitat que l'on croise le requin le plus proche des espèces primitives aujourd'hui disparues. On sait peu de choses du requin vache.